sur les buzzers. C'est important. Question 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelle chaussure de toile associée à la région Pyrénées-Nicole? L'espadrille. Excellent. Très bien. Associée à la région Pyrénées-Nicole, de la France, possède une semelle de corde. L'espadrille. Un premier point pour Nicole, deux points maintenant. Par quel terme appelle-t-on les habitants de la ville de Rio de Janeiro? Carioca. Excellent, oui, Carioca. Vous êtes peut-être rendu d'ailleurs à Rio. Magnifique ville. Il y a la place, bien sûr, mais pas seulement. C'est une ville magnifique. Les Carioca, excellent. Première question à 3 points, en mars 2017. Quel écrivain japonais, déjà auteur de romans comme Kafka sur le rivage et 1Q84, Mishima, non, a publié le recueil de nouvelles des hommes sans femmes, cet écrivain japonais, c'est... Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison, parce qu'on ne l'avait pas ici. Murakami Haruki, de son prénom. Quel chien à la robe blanche couverte de petites taches noires, de vaisseau de Vincent, le Dalmatien, oui, très bien. De son nom, le fait d'avoir été élevé en grand nombre, en fait, dans une région de Croatie, la Dalmatie, d'où le nom Dalmatien. Et maintenant, tous les quatre, écoutez ceci. Louis XVIII est l'auteur de la toile Les touches de piano, Lac en 1909. Ce peintre et dessinateur tchèque, Vincent Goldberg. Vincent Klimt. Vous avez raison, Nicole. Kandinsky. Bertrand. C'était Kupka. Quel morceau de viande de porc devra être trempé dans de l'eau avant d'être cuisiné et souvent servi avec des lentilles? Petit salé. Aux lentilles. Excellent. Qu'est-ce que c'est bon ça? Guy. Un petit salé aux lentilles. Au petit-déj. Avec un café au lait. Hein? Ça, vous êtes bien après. Pour la journée. Et on finit par un morceau de camembert. Voilà. Exactement. Guy en tête avec trois points. Le petit salé est une bonne réponse. Dans le langage soutenu. Quel mot signifiant littéralement cinquième essence? La quintessence. Les idées qu'il y a de meilleur ou d'essentiel dans quelque chose. Là, on est un peu dans la quintessence de la culture générale. 1356, l'histoire. Quel roi de France vaincu par le prince noir à Poitiers? Oui. Jean le Bon. Oh oui, ça c'est beau. Jean le Bon. Fut retenu captif par les Anglais, qui exigèrent 3 millions d'écus d'or pour le libérer. C'est rarissime dans l'histoire de France. Un roi kidnappé ainsi. C'était Jean le Bon. Ou le Brave. Guy, vous êtes à trois points de la qualification. Un sigle. Quel sigle de trois lettres? Des associations créées en 1972 qui gèrent le tennis professionnel. Un point pour le jeu. Et qui met en place la fédération pour associer les joueurs de tennis professionnels. Quel gaz jaune, verdâtre, mettons en contact avec la Vincent. Le chlore, très bien. Mettons en contact la soude en solution diluée à froid pour de l'eau de Javel. Je crois que vous croyez dans le domaine médical, Vincent. Absolument, c'est ça. Le chlore est une bonne réponse. Et maintenant, Vincent, Nicole, Bertrand et Guy, regardez ceci. Regardez bien. Vous aussi à la maison. Dites-moi maintenant quel est cette plante. Zinnia. Non. De la famille des Astéracées. De l'on est formé, Nicole. Gerbera. Sur celui d'un naturaliste, Bertrand. Gerbera. Exactement. Un naturaliste allemand. C'est le Gerbera. Bertrand, est-ce que c'est Nicole qui vous met un peu sur la voie? Beaucoup sur la voie. Mais c'est vous qui avez la bonne réponse. Merci, Nicole. Merci.
Guy et Bertrand, tous les deux en tête avec 7 points. Quelle maladie infectieuse touchant principalement les enfants est due à un virus similaire à celui du zona. La varicelle était plus rapide. La varicelle, c'est la bonne réponse. Bertrand en tête avec 8 points. Et attention maintenant, je cherche un duo. À quel duo de frères cinéastes doit-on les films The Big Lebowski. Oui. Mais oui, vous êtes qualifiés. Donc il y a The Big Lebowski, il y a un formidable film. Avec César aussi, les frères Joël et Ethan Cohen. Félicitations, un autre champion, Guy. Un nouveau 4 à la suite. Vous pouvez souffler, on se retrouve dans un instant. Bertrand est au bord, lui aussi, d'une qualification pour le 4 à la suite. Chaque bonne réponse maintenant vous rapporte 2 points. De quel petit pays d'Europe, la version moderne de l'hymne national a été créée en 1914 à l'occasion des fêtes du 25e anniversaire de l'avènement au trône du prince Albert Ier. Vincent. Belgique. Ah non, Monaco. Monaco, voilà. Albert Ier. Bertrand, avant vous. Et une place encore à prendre, soit pour Vincent, soit pour Nicole. Ça peut aller très vite. Que chaque bonne réponse maintenant, Nicole Vincent, c'est 3 points. Quel mammifère cétacé appelait-on autrefois licorne de mer en raison de Nicole. La baleine. En raison de la longue dorsale. Torsadée de narval. Que porte mal narval. Vincent n'a qu'une bonne réponse du 4 à la suite. Dites-moi maintenant, en 1963, quel footballeur soviétique surnommé l'araignée noire est devenu le premier gardien de but de l'histoire pour remporter le ballon d'or? Oui, la Chine. Ça, c'est beau. Vous y connaissez en football soviétique? Un petit peu. L'araignée noire. Père de mes enfants était gardien de but. Ah, voilà. L'araignée noire, ça vaut 3 points, Nicole. Attention, Vincent, retour de Nicole. Quelle brioche alsacienne garde de raisins secs, cuite de vin, Nicole. Le Kouglof. Est une bonne réponse, Vincent. Vous êtes qualifié pour le 4 à la fin. Le Kouglof, oui. Nicole, vous l'aviez bien vu. Braun vous offre son pied mixeur le plus puissant pour réaliser des soupes, purées, sauces, persillades, préparations pour bébé, sans effort et en un temps record. Des aborigènes aux Zoulous, des Maoris aux Touaregs, avec toutes les sagesses du monde, voici un panorama sur les 30 principales civilisations, cultures ou religions du monde. Il est accompagné des monastères et hauts lieux de spiritualité. À vous de jouer maintenant, deux d'entre vous repartiront avec une voiture, donc ça fait deux voitures au total avec cette question. Comment appelle-t-on la tente circulaire sous laquelle les sirs donnent le spectacle, leur représentation. Vous avez deux possibilités, un tipi, deux le chapiteau. Bonne réponse, 32-43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 720 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, c'est le 4 à la suite avec Vincent, Bertrand et Guy.